Bonjour, je vais vous interpréter Buteur. Je les regarde, ces braves gens qui s'arment de toute leur patience à s'alarmer devant ces agents qui demeurent en invariance, du moins en apparence, scrutant la moindre défaillance. Quand soudain cette grand-mère brandit haut et fort son étendard et sa colère, une colonne de buteurs s'abat sur la vieille, loin de tout réconfort. Dans un vacarme démentiel, grossier, bête, personnage, mais que font-ils de leur tête, accablés de tant de témoignages, tous ces buteurs-là sans tête. Sans tête. Un cordon de ses agents s'avance brutalement sur tant de tiraillements. Point de dialogue, mais bagarre, une mélodie de sourds dans leur monde d'avatar. Ils continuent ces balours dans leur peloton à bien des carrefours. Ils saisissent leur avortant, souvent des chétifs, en se croyant des shérifs, en se croyant des shérifs. Grossiers, bêtes, personnages, mais que font-ils de leur tête, accablés de tant de témoignages, tous ces buteurs-là sans tête, sans tête. Mais à quel bien et quel droit, quelle vertu ils se parfument, je me questionne de leur exploit. Leur vocation fort bien, ils assument, que de l'abus, de l'arbitraire sur un lit d'injustice, et un goût de totalitaire et mort bleu, l'injustice inconnue dans leur bataillon. Peut-on croire que leurs légions ont déserté humainement pour épouser le cruellement, pour épouser le cruellement. Grossier, bête, personnage, mais que font-ils de leur tête, accablés de tant de témoignages, tous ces buteurs-là sans tête, sans tête.